contre, on a un autre stego qui a traversé là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Et pareil, il en manque un autre. On aurait dû être 6 là. Je comprends pas tout. Welcome. Bienvenue. Attendez, parce que lui. Lui, c'est un raptor par contre. Je vais me lever. Oh! What? Il est coincé! Il est coincé sur lui! What? Regardez! Il est planté dans lui! Mais lol! Ouais, l'autre confirme qu'il y a des Rex et des Carnots pas très loin. Alors j'ai peur en donnant un coup, s'il passe à côté, que je donne un coup à un allié, faut faire gaffe. Ah mais il était là l'autre stego, ok on est tous les stegos du coup là, c'est bon. Après comme vous le savez... Oh, je crois qu'ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils l'ont eu, ils l'ont eu. Rect. Oh le mec. Oh le mec, la violence. Il a projeté à gauche. Oh il est tellement explosé. Voilà, l'idée c'est de pas aller au combat, c'est-à-dire que là il y a des Rex derrière, l'idée c'est pas d'aller les fight. Par contre, c'est d'aller aider notre ami Stego là-bas. Let's help, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, ils disent que le Stego là-bas par contre a besoin de notre aide. Donc l'idée, voilà, c'est pas d'aller au fight, sauf que là, là cas extrême, faut aider notre Stego ami. Alors on se met là. Voilà, donc là on est là juste pour l'aider, bien sûr on va pas attaquer le Rex hein, parce qu'on n'est pas là pour attaquer, juste pour attaquer. S'il nous engage pas, on va juste essayer de fuir du coup. Maintenant qu'on peut l'escorter. Le Carnot s'est sacrifié pour moi. C'est trop ça en fait. On se croirait dans un film comme ça, vous avez vu, avec la lumière derrière, avec le long cou qu'on voit au loin. La petite tribu et le Rex. Allez, bah du coup, on va aller apparemment aux ruines. C'est parti pour cette petite excursion encore. Alors le Rex nous suit quand même. Le Rex nous suit mais à distance. Je pense qu'il attend une ouverture pour essayer d'en avoir un. L'un d'entre nous. Du coup forcément dès qu'on est suivi par un Rex, ça donne pas trop envie. Ça fait un peu flipper. Ah c'est ça, il y a les ruines en face. C'est ça, ça ressemble beaucoup aux ruines où on avait été tout à l'heure. Alors, où j'avais été dans une vidéo précédente pour vous plutôt. Si je comprends bien, ouais. Apparemment, Ré, c'est Ré à droite? Ah non. À gauche? Il me semble qu'on avait un blessé en fait. Enfin, d'après ce que je comprends, j'ai l'impression qu'on a un blessé, mais. C'est énorme l'action. Puis là, ça fait les dinos qui essaient de rejoindre les ruines avant que le Rex les ait, tu sais. Ah, énorme. If he goes. Ah, énorme. Il y a un mec qui a dit, en gros, si le Rex essaie de choper
Alors le Fluffy, alors je sais pas si c'est son pseudo ou si c'est le. Si c'est l'autre avec sa race là. Je sais pas s'il y en a un qui s'appelle Fluffy ou si c'est son espèce à lui. Ou si c'est un nom pour son espèce, je sais pas. Mais il dit genre ouais voilà, si le Rex essaie de le choper, ben on le laisse, tant pis, et y'a King qui fait non. Il fait partie de la Stego Squad. On laisse pas de Stego derrière nous. Genre le mec. Mec, il parle en leader et tout. Bon, je crois que le Rex nous a lâché, ceci dit. On arrive donc aux ruines. Ah, bon. Un rollback plus tard, on arrive donc aux ruines. Il y a un autre truc en face. Eh, les ruines sont plus grandes que je pensais par contre. Elles paraissaient pas, mais quand on est là. Voilà, donc là, ce qu'il dit, on va se stopper là sur ce spot un moment. Ah, par contre, il y a un Rex qui traîne dedans là. Ah, il y a plein de carnivores là. Pas mal de carnivores dans les ruines. Hein. Mais il y en a, c'est des joueurs. Ouais, regardez. Je sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez sur les piliers en face de moi dans les ruines? Il y a des raptors qui se sont mis un sur chaque pilier en fait. Là, il y en a un qui est sur le mur à droite aussi. Ah, c'est trop stylé. Plus les rex qui tournent dedans. Oula, par contre, je vais perdre mon troupeau moi. À force de regarder des trucs stylés. Ah, c'est trop la classe quoi. Tant qu'ils arrivent. Du coup, maintenant qu'ils sont plus paumés, en plus, on va sûrement trouver des endroits assez intéressants. Apparemment, maintenant le leader, ça va être le petit truc à plumes qui est devant. En tout cas, c'est lui qui a pris le lead vite fait. Parce que vu qu'il est plus rapide et tout ça, je vous fais un petit peu encore une fois la traduction. Parce que King se demandait un petit peu ce qu'il faisait par contre. Enfin, où est-ce qu'il allait surtout. C'est les autres qui lui ont répondu ça. Ça a l'air assez sympa là où on va par contre. Ah ouais, oh stylé. C'est carrément stylé cet endroit. Il y a à manger, il y a à boire. Je vais se faire la petite pause ici. Un vrai documentaire, quoi. Je peux rien faire avec celui-là. C'est super comme endroit, j'adore. Je mange un peu. Je sais pas ce que veulent faire les autres. J'imagine qu'on va faire une petite pause ici, on est pas mal là. En tout cas, l'autre a l'air de manger les arbres aussi, hein, celui qui est avec nous. Voilà, ils font la petite pause là, comme je l'avais anticipé. Et c'est vraiment très stylé comme spot là.
Voilà, je l'avais pas vu du tout lui. Le truc il m'arrive de gauche en mode tranquille et tout, je me dis what? Qu'est-ce que c'est que ça quoi? Ouais, je pense que c'est ça le Shangun, je sais plus quoi là, je sais plus comment il l'appelle. Someone ask where we are. C'est ça, là, vous voyez, Ray l'a marqué. Si quelqu'un pose la question, en fait, on est deux différents troupeaux qui marchent ensemble, en fait, finalement. Alors, je vous dis, je sais pas très bien encore comment ça marche officiellement, en fait, leurs règles par rapport à ça. Mais du coup, vous voyez, c'est. Il y a vraiment un truc par rapport à ça, quoi. J'avoue que c'est tellement stylé. Voilà, vous voyez, il y a un mec apparemment qui savait pas non plus la taille max pour les stégos. Du coup, qui pose la question. On va peut-être avoir la réponse du coup là. Vous voyez, j'ai oublié. It's 3. Oh, ok. Normalement, donc en fait, on est censé être 3 stégos maximum. Et vu qu'on est 6, en fait, bah, ça fait. En fait, c'est comme si on était 2 à se suivre en fait. Deux groupes à suivre. Mais du coup, enfin. J'aime un king qui fait ça va, personne n'a besoin de savoir. Ouais, ils ont pas l'air très chaud par contre pour cette règle. J'avoue que 3 ça fait quand même très peu. Après, je comprends qu'il faut pas être trop non plus, mais c'est vrai que 3 ça fait très peu. Et c'est vrai que le fait d'être bah, deux groupes de 3, je pense qu'en vrai on n'a pas vraiment le droit de dire ça. Mais bon, vu que c'est marrant et que les mecs sont cool, on va quand même rester ensemble. Ça va être sympa. Ah, il y a des carnivores qui s'approchent là-bas par contre. D'ailleurs, ça sert à rien que je reste allongé, hein, je suis bien là. En tout cas, comme vous voyez, un point indéniable de la survie, c'est quand même le groupe. Parce que mine de rien, j'aurais été tout seul à me balader. Je pense que là, je serais déjà mort. Hein. Vous voyez, avec les dangers qu'on a croisés, j'aurais été seul. Les mecs m'auraient chassé. Ils auraient sûrement réussi à m'avoir, quoi. Mais bon. Fort heureusement, on s'est trouvé un petit groupe et là, si vous remarquez, ça fait un bon petit moment qu'on survit ensemble. D'accord, du coup là, ils veulent, je crois qu'on sépare quand même les groupes au cas où. Alors, je sais pas qui est où là par contre. Ils sont là. Green, you are with... ouais, donc apparemment ils veulent qu'en gros je sois avec Green et Ray. Et eux du coup ils vont partir ensemble les trois autres. C'est dommage, j'aimais bien King. Il connaissait bien le jeu, c'était cool. Il y a Green là. Il y a Ray là-bas. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu l'équipe d'handicapés, vous savez. Il y a moi qui connais pas du tout le jeu. Enfin, on commence à s'y faire un peu, mais bon, voilà, je connais pas la map, je connais pas très bien. Il y a Green, qui était le mec qui s'était paumé au tout début, qui était genre solo, qu'on est venu rechercher. Et il y a Ray. Et Ray, c'est genre. Genre le mec qui arrive pas à courir toutes les deux secondes, il a besoin d'une post-am et tout, vous savez. Ça fait un peu l'équipe de bras cassés et l'équipe de vainqueurs devant, quoi. J'ai l'impression qu'on va un peu servir d'appât. C'est cool. Waouh. Énorme.
Il y a des dégâts de chute. Oh, mais ils ont sauté les autres. Bah, lui aussi. Vas-y, let's go! Ça, ça fait très RP, les gars. On a sauté dans l'eau, bien sûr, pour ne pas prendre de dégâts. Oh, j'ai tellement de vitesse dans l'eau. Parce que la simulation, c'est aussi ça. La simulation de bain. Et voilà, tout propre. Par contre, je suis assez curieux de savoir ce que c'est les Twins, parce qu'ils en parlent depuis le début, mais... Je sais pas du tout ce que c'est les Twins, et du coup... J'aimerais bien quand même qu'on y aille, quoi, parce que tout le monde en parle, j'aimerais bien... Je sais pas, ça doit être quelque chose de fort, d'énorme. J'en sais rien. Si les deux autres sont aussi paumés que moi, je pense qu'on va pas pouvoir y aller, hein. Gars, et quand c'est... J'ai en train de me poser une question, est-ce qu'il y aurait... Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une grotte dans ces trucs-là? Ben, en tout cas, je pense qu'il y a un T-Rex. Est-ce que vous pensez que dans les rochers, il y aurait une grotte? Ça serait stylé. Après, normalement, dans ce jeu, je sais pas si je vous l'avais dit, quand ils vont implémenter les persos humains, logiquement, ils vivront dans justement des styles de bunkers et tout ça, en fait. Ils auront des réseaux souterrains et tout, ça va être assez stylé. Et l'autre, ouais, c'est ça, le Ray qui dit « Oh là, j'avais pas du tout vu ce Rex !» Et l'autre, il dit... Green dit qu'il paraissait... Il paraissait simplement assoiffé. En plus. Il y a King Jaffat devant qui dit « C'est quel chemin déjà les Twins? Donnez-moi une minute, moi une seconde. » Il y a du mal à voir apparemment avec les arbres. Vous avez vu, on dirait qu'il y a des éclairs quand je fais ça avec ma vue. En fait pas du tout, c'est juste... Si je bouge pas ça fait rien, c'est juste quand je bouge, c'est trop bizarre. Alors par contre là du coup je suis mais aucune idée de si ça où est-ce qu'ils vont. Ah ouais, alors par contre c'est ça, ils ont les coordonnées mais je sais plus comment on ouvre les trucs des coordonnées perso. Je crois que ça a changé en plus depuis le temps et... Du coup je sais pas regarder les coordonnées parce que sinon pareil avec les coordonnées c'est facile quand même d'y aller mais... Bon, les autres ça fait... Ah mais on voit les autres encore, il y a les trois stégos là-bas. Donc au pire s'ils arrivent à trouver on a juste à les suivre, c'est pas grave. On est juste deux groupes qui nous... Nous dirigeons au même endroit séparément. Tout simplement. Ça, les autres aussi nous voient dans le bac. Ah, apparemment ils sont arrivés. Apparemment ils sont arrivés, je crois. Alors quel est cet endroit ? Bloqué. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un truc particulier ou ça se passe comment? Il répète encore, si quelqu'un pose la question, dites juste que c'est deux troupeaux. L'endroit a l'air sympa, mais je vois pas la spécificité, on va dire. Et pourquoi Twins? Pourquoi ça s'appelle Twins?
Voilà ce que l'autre dit, en gros on a le droit d'être ensemble, on n'a pas le droit de protéger ceux qui sont pas de notre troupeau à nous en fait. Bon, je parie que c'est Ray qui est encore essoufflé derrière, hein. Il est toujours essoufflé lui. Je vous l'ai dit, la Dream Team. Hein, c'est Ray là, voilà, c'était sûr. Toujours à la traîne, Ray. Bah ouais. Je vois plus les autres, ils doivent être juste devant, mais... Oh! Ah, je commence à comprendre, je crois. Est-ce que ce serait ce truc sur l'eau qu'on voit, là? Oh, attendez...